Salut l'artiste, aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo pour peindre ce tableau que j'ai appelé Fulfillment, qui est un océan ou une mer en fin de journée avec pas mal de contre-jours et beaucoup de scintillements. Et avant de commencer, n'hésite pas à liker cette vidéo et t'abonner à ma chaîne. Et c'est parti, donc je prends ma toile, les nouveaux produits de Liquitex qui sont faits à partir de bouteilles en plastique recyclées. Là c'est un format 100 par 70. Ils ont utilisé 22 bouteilles pour faire cette toile, donc génial, j'adore le concept et j'en parlerai à la fin sur les matériaux. J'utilise mes couleurs, donc là on va commencer à mélanger du marron. J'aime bien préciser dans mes tutos, j'utilise les couleurs que j'ai, mais n'hésite pas à utiliser les tiennes et ne pas te forcer à utiliser forcément les mêmes références que moi. Il y a un milliard de couleurs différentes et c'est complètement ok si tu n'arrives pas avec la même couleur. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bonne couleur comme on dit. Donc voilà, j'utilise du grid paint, du bleu et du marron pour faire un mélange. Ça va être ma base de couleur en fait pour tout mon tableau. Je préfère utiliser du grid paint que du noir parce que c'est moins fort comme couleur. En fait, c'est du noir qui va être mélangé avec du bleu de base pour faire un certain gris. Mais ça s'apparente au noir. Donc là, je fais mon petit mélange et je viens rajouter au fur et à mesure un peu plus de bleu, un peu plus de grid paint ou un peu plus de marron selon la composition pour arriver à avoir un résultat qui me satisfait. Et comme je disais, ça va être la base de ma couleur. Donc en fait, je vais commencer avec mon tableau par le recouvrir entièrement, juste pour pas commencer à peindre mon modèle directement sur une toile qui est blanche. Comme ça me permet d'avoir une première couche de sketch. Donc je ne m'attarde pas non plus 1000 ans sur la couleur parce que les trois quarts de cette peinture vont juste servir de base qui sera recouverte derrière. Voilà, donc je la divise un petit peu parce que j'ai la tonalité sombre et maintenant je veux la tonalité plus claire. Donc je vais rajouter du blanc de titane pour le coup, pour avoir une tonalité, eh bien, tout simplement plus claire. J'aime bien faire ça comme ça, en fait, j'ai vraiment la même saturation de couleurs, juste en sombre et en clair. Et après, je viens marier les deux ensemble sur la toile. Ce qui rend un résultat plutôt sympa. Dans celle-là, je la trouvais trop grise, donc c'est pour ça que je rajoute un petit peu de marron. En termes de pot de peinture, là, j'utilise les Liquitex professionnels, leur gamme professionnelle. Maintenant, encore une fois, ce n'est absolument pas obligé d'utiliser ça. C'est vraiment juste à titre d'info. Voilà, donc je viens ajuster ma couleur en rajoutant soit du marron, soit du blanc, soit du grid paint. Je mélange tout ça pour avoir quelque chose de pas trop saturé non plus, mais pas trop gris non plus. Et derrière, j'ai envie de rajouter un petit effet pour qu'à la fin, vu que l'océan est très scintillant, on a un petit effet glossy sans trop que ce soit glossy. Donc je vais venir rajouter un médium Liquitex, le médium satin de Liquitex à chacune de mes couleurs. Voilà, c'est celui-ci. Je rajoute un petit peu dans ma tonalité plus claire, un petit peu dans ma tonalité plus sombre, et je viens mélanger tout ça. Donc c'est parti pour appliquer la première couche. Je fais un petit peu des ondulations en mariant la couleur plus sombre à la couleur plus claire. Mais cette couche-là est vraiment faite pour recouvrir complètement la toile, pour pas qu'on puisse voir les petits grains blancs de la toile à l'arrière sur ma deuxième couche, que ce soit bien opaque en fait. C'est juste pour ça, avant de me concentrer plus en détail. Voilà la deuxième couche. Donc là, avec ma couleur plus sombre, je vais venir commencer à tracer un petit peu mes vagues. Donc là, je commence par le bas où il y aura une vaguelette un petit peu espacée du bas de ma toile. Ah, là, j'ai un poil dans mon pinceau. Donc, je prends la tonalité plus sombre. Je délimite le haut de ma vague qui sera la partie la plus sombre. Juste pour que je commence un petit peu à me repérer dans le tableau, en fait. Mais encore une fois, sur l'acrylique, je travaille vraiment couche sur couche. Donc, après, chacun son process. C'est pas une obligation. Sache-le. Peut-être que ton process sera différent et que tu peignera directement les détails dès ta première couche, mais moi j'aime bien dégrossir en fait au fur et à mesure des couches de peinture. Donc là, je trace
cette vague-là, et pour pouvoir mieux la voir, c'est associer la couleur la plus sombre avec par-dessus la couleur la plus claire. Ça va faire venir ressortir le relief de la vague où je peux voir que cette vague-là sera en premier plan. Et là où je mets la couleur la plus claire, c'est derrière la vague. Je vais venir construire un petit peu l'intérieur de ma vague en mettant rapidement des petites vaguelettes. C'est-à-dire, quand je dis vaguelettes, c'est avec mon pinceau biseauté. Je n'ai pas précisé, mais choisis le pinceau avec lequel tu es le plus à l'aise. Mais je trouve que le pinceau biseauté, c'est plus facile en fait de faire des effets de vaguelettes un petit peu ondulées comme ça. C'est un pinceau que j'adore et j'utilise quasiment ce pinceau. Que ce pinceau en fait pour faire toutes mes vagues en fait. Les parties en tout cas ondulées. Et donc avec ce pinceau, je vais venir voilà, faire des petites vaguelettes à l'intérieur de cette vague pour commencer à créer la texture à l'intérieur de la vague. C'est-à-dire des parties où le soleil va venir taper et on va voir le haut de la vague. Enfin, le soleil, voilà, la luminosité, on va dire, va venir taper. On va voir la partie arrondie de la vague et la partie creusée sera la partie plus dans le sombre de la vague. Donc à chaque fois, remarque que j'essaye d'étaler un petit peu ma peinture, surtout pour créer d'autres petites vaguelettes, mais pour pas que ce soit trop agressif en fait comme coup de pinceau. Parce que l'eau se fond entre elles en fait, donc toutes les parties claires avec les parties sombres vont se fondre entre elles, mais pas de manière parfaite. Donc c'est pour ça que j'utilise pas ma blending brush. Donc je sais pas si tu as peut-être pu voir ça dans d'autres tutos que j'ai fait. En tout cas pour l'instant je l'utilise pas et je viens juste étaler ma peinture. Donc là j'ai très peu de peinture vu que ma base est déjà un petit peu humide. J'utilise pas, enfin, je n'humidifie pas mon pinceau, encore une fois, parce que sinon ça va juste enlever la peinture en fait. En acrylique, c'est vraiment quelque chose que enfin, je t'invite à venir tester par toi-même pour faire tes expériences. De la même manière qu'il faut faire ses expériences en mélangeant, pardon, ses couleurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend en fait, à mon sens, à comprendre les couleurs. Plutôt que d'essayer de reproduire une couleur qu'on a vue dès le départ et s'acharner dessus, en fait, les mélanger, ça vient vraiment t'apprendre à comprendre la composition d'une couleur. Eh bien, c'est exactement pareil avec les effets qu'on peut avoir avec un même pinceau en diversifiant la quantité de peinture que tu vas mettre sur ton pinceau, la quantité d'eau que tu vas mettre sur ton pinceau. Et la surface que tu vas avoir, si elle va être sèche, humide ou autre. Donc là, tu vois, je viens quand même tremper un petit peu dans mon eau, mon pinceau. Que derrière, j'enlève un petit peu l'eau en retapant dans la peinture. Et c'est très, très, très léger. Donc mon pinceau n'est pas sec, il n'est pas mouillé, il est entre les deux. Mais c'est vraiment une question de millième entre pinceau mouillé, humide, pas humide. C'est difficile à expliquer et donc je t'invite à tester parce que ça ne te donnera pas les mêmes effets avec les pinceaux selon la quantité d'eau versus la quantité de peinture qu'il y a sur ton pinceau. Si tu mets beaucoup d'eau sur ton pinceau et qu'il y a très peu de peinture, ça va te faire des super glacis. Si tu mets très peu d'eau et beaucoup de peinture, ça va te faire une peinture très opaque. Si tu as envie que ton pinceau il glisse un peu plus, il faut rajouter un peu d'eau. Mais pas trop, sinon derrière ta peinture devient trop diluée et donc t'obtiens un glacis, mais ça dépend ce que tu veux. Ça, voilà, il faut le tester par toi-même pour voir un petit peu, eh bien, cet équilibre pour avoir l'effet souhaité, quoi. Ou pendant que je suis en train de peindre, je suis en train de te donner plein d'autres explications générales sur la peinture, mais là, grosso modo, je suis encore en train de construire un petit peu la structure de le bas de cette vaguelette en faisant des ondulations. Là. Je pars dans une certaine forme pour montrer que je suis au premier plan de la peinture. Donc, comme tu peux le remarquer, je pars en diagonale avant pour avoir ce sentiment de profondeur, on va dire. C'est-à-dire que je pars pas de gauche à droite, mais comme si ça partait du bas du tableau jusqu'en haut du tableau, tu vois, pour faire cette petite perspective.
et après je vais commencer à travailler les petites vaguelettes au-dessus. Donc c'est pareil, sauf que là ça partira plus de droite à gauche en ayant une petite diagonale au milieu qui nous donnera tout de même cet effet de profondeur et de 3D dans ce tableau-là. Du coup, là, je vais commencer à délimiter un petit peu le sketch du deuxième élément un petit peu phare de ce tableau, qui est une deuxième, entre guillemets, grande vaguelette, enfin plus grosse vague que tout le reste, qui se trouve au centre du tableau juste ici. Là, pour l'instant, je fais son croquis, donc je commence avec les couleurs un petit peu plus sombres, parce que du coup, vu qu'elle est un peu plus grosse, il y aura plus de profondeur. Et au fur et à mesure, je vais revenir la travailler dans différentes étapes du tableau. Voilà, donc là je vais, à contrario des parties sombres pour délimiter cette vague, commencer à peindre les parties plus claires, là où la lumière vient taper sur l'eau et où il y aura les scintillements plus tard. Donc là on verra encore plus ressortir en fait cette vague. Donc c'est vraiment en alliant les parties sombres avec les parties claires qu'on voit les vagues et les formes en fait ressortir.
Donc là, on va partir un petit peu plus, entre guillemets, dans les détails, même si c'est pas vraiment des détails, de l'intérieur de la vague où je vais former ces espèces de formes à l'intérieur, là, plus claires, pour donner le mouvement de cette vague. Je te mets la référence de la fin pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble une fois fini. Et après, je vais travailler donc ces espèces de grands ovales un petit peu qu'on vient étaler, écarter de manière plus horizontale au-dessus de cette vague, comme on peut voir sur le tableau fini aussi. C'est intéressant de l'avoir fini pour pouvoir s'y référer. C'est peut-être un petit peu plus simple comme ça, parce que pour l'instant, ça reste encore très abstrait. Voilà. Et plus on va monter dans le tableau, plus on va être sur des traits horizontaux en fait. Enfin, vraiment plus à l'horizontale que en bas, enfin plutôt dans le milieu du tableau, on était dans la diagonale, ce que j'expliquais au début du tableau.
Donc là, plus on va monter sur la partie haute du tableau, moins on va partir dans les détails. Clairement, là, j'applique le sombre le plus clair, mais vraiment sans chercher à faire quelque chose de propre. Tout simplement parce que ça va être recouvert par des traits beaucoup plus clairs, par des ondulations beaucoup plus claires parce que ce sera plus frappé par la lumière. Et derrière, ça sera recouvert par des scintillements, donc des petits points. Donc en fait, c'est vraiment le fond qui sera à peine vu à la fin. Donc pour l'instant, je fais encore quelques vaguelettes, mais plus je vais monter, moins je vais me concentrer dessus. Et encore une fois, vu que c'est que les premières étapes, il reste encore pas mal de travail. Donc plus on avance en fait dans le tableau, en tout cas dans le process que j'utilise, plus on se concentre un petit peu plus à chaque étape. Mais au début, vraiment, c'est beaucoup de laisser aller, plus pour se repérer en fait, où vont aller nos éléments, etc. Voilà, donc là, c'est le haut, c'est plutôt cette partie-là où je disais qu'on se concentre moins. Là, ce que je fais, c'est que je mets une deuxième couche pour vraiment avoir cette opacité de ma toile. Et je viens allier le sombre, le clair, juste pour avoir un semblant de structure de vague. On verra un petit peu plus tard pour le détailler quand même à peine plus, mais très léger quoi. On ne s'attarde pas dessus. Voilà, maintenant que tout ça est sec, je vais passer sur la troisième couche. Donc pour cette couche, j'utilise la même couleur claire avec à peine plus de blanc à l'intérieur. Vraiment à peine, juste pour avoir une légère différence. Et en plus de ça, je vais peindre mes traits au milieu, en fait au centre des traits plus clairs que j'avais fait avant. Et moins l'étaler sur la longueur. Ce qui fait que ça va faire une superposition en fait, un dégradé entre la couleur plus claire que j'avais déjà peinte. Plus celle-là que je viens mettre par-dessus, mais que sur le centre et moins étalée. Et donc ça donne en fait une profondeur dans mes couleurs plus claires. Et en faisant ça, je vais commencer à structurer en fait cette vague du bas. Donc là, j'ai très très peu de peinture en fait sur mon pinceau parce que j'ai pas envie que mon trait soit opaque en fait. Je veux que ça se fonde quand même un minimum dans ce cœur de vague plus sombre. Sinon, on verra pas que c'est l'intérieur de la vague. On aura l'impression que c'est plein de petites vaguelettes. Donc là, je viens structurer le premier plan de mon tableau, le mouvement de l'eau en fait du bas qui n'aura pas la même forme que les petites vaguelettes. Et pour ça, j'utilise toujours mon pinceau biseauté, pardon, j'allais dire biaisé, mais biseauté. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise pour tout le tableau. Hein. Et j'ai très très peu de peinture sur mon pinceau et beaucoup d'eau. Comme ça, en fait, c'est quasiment transparent en fait la peinture que j'applique. Et c'est toujours ma couleur claire, c'est juste que vu qu'il y a beaucoup d'eau dessus, elle se voit beaucoup moins et elle se fond beaucoup plus dans les couleurs sombres. Voilà. Ce sera retravaillé encore après, hein, donc là on structure encore, on est encore dans ce. On peut encore dire qu'on est dans le croquis, on va dire, de ce premier plan, hein.
Maintenant, plus on va monter dans le tableau, plus les traits seront fins, seront rapprochés, parce que le plus c'est loin, le moins on voit en fait eh bien, l'intérieur des vagues, parce qu'elles deviennent de plus en plus petites. Et puis, on peut se permettre de faire moins de détails, tout simplement parce qu'il y aura les scintillements. Et que de toute façon, même s'il n'y avait pas les scintillements, il y a moins de détails parce que c'est tellement loin qu'on le voit moins. Ça donnera de la profondeur à votre tableau, et voilà. Maintenant, on va passer sur la couche par-dessus où je vais prendre ma couleur la plus claire et je vais venir rajouter du jaune. Alors, à ça, beaucoup de blanc derrière, hein. Là, c'est juste que je veux créer un effet de lumière sans que ce soit trop du blanc et du jaune uniquement. Donc, je prends, c'est pour ça ma couleur de base où dedans il y a du marron, pour faire la partie scintillement. Donc tu vois, mon jaune n'est pas 100% jaune, il est jaune un peu marronné. Et je vais rajouter à ça beaucoup de blanc. Si je mettais que du jaune et du blanc pour faire tout ça, ça ferait... Ce serait trop violent pour l'œil en fait, et ça ferait moins naturel. C'est pour ça que c'est intéressant de toujours utiliser les couleurs que tu as utilisées pour ton océan, pour faire les éléments qui l'entourent. Par exemple, mettre la couleur de ton ciel dans ta vague, parce que tout simplement, le ciel reflète dans l'eau. Donc... Ce sera logique en fait que la couleur de ton ciel aille dans ta vague. Voilà. Et là, la couleur du scintillement prend un peu la couleur de la vague qui est marronnée. On va dire que la logique peut être un peu comme ça. J'espère que tu comprends. Encore une fois, c'est pas hyper simple à expliquer. J'ai l'impression d'un peu radoter. D'ailleurs, si je radote, tu peux l'écrire dans les commentaires et j'essaierai de faire attention. Les prochaines fois. Voilà, donc maintenant, en gros, là, sur tout mon tableau qui est sec, parce que maintenant on passe à une nouvelle couche, on va dire que le squelette est là, la base est là. Donc toutes les parties qui sont claires, je vais, enfin pas toutes, mais sur les parties que je vais avoir envie qu'elles ressortent plus, je vais pouvoir ajouter à l'intérieur de la partie claire, donc sans repasser entièrement par-dessus, mais vraiment au centre de ces parties-là, comme tu peux le voir ici, voilà, je passe vraiment au centre de cette petite ondulation claire qui n'est pas opaque parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Là, j'ai moins d'eau et je viens construire un nouveau mouvement d'ondulation à l'intérieur. Et ça va donner comme ça plusieurs superpositions de petites vaguelettes qui va donner la profondeur de la vague. Juste pour t'expliquer un petit peu la logique que j'utilise pour construire en fait des effets d'ondulation et de vaguelettes. Comme tu peux le voir là, tout de suite, ça commence déjà à ressortir et ça, on va le faire plusieurs fois. Donc là, on est vraiment dans l'intérieur de la plus grande vaguelette que je te disais tout à l'heure. Comme tu peux le voir, les parties
les espèces de ronds là sont trop clairs, trop délimités. Donc je viens les fondre en fait pour bien montrer qu'ils sont à l'intérieur de cette vague. Je vais rajouter du coup de la couleur plus marronnée, plus sombre pour la fondre à l'intérieur de sa vague et avec les autres éléments, que ça fasse pas trop délimité comme là c'est en train de faire, c'est pas joli. Donc je vais passer à retravailler du temps à retravailler cette partie-là. Mais vu que j'ai l'impression que toute cette partie est quand même un petit peu trop délimitée et pas fondue ensemble, là, il faut savoir que j'ai pas d'eau et très peu d'eau et très peu de peinture. Donc, ce que j'applique, là, si j'avais beaucoup de peinture, je serais en train de recouvrir tout ce que j'ai fait avant. Donc, sache que j'ai très très peu de peinture et je viens fondre un petit peu tout ce qui se passe. Donc, pour pouvoir fondre quand même, il faut un minimum d'eau, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Sinon, je fondrais trop. Voilà, ça c'est un équilibre qu'il faut trouver selon tes goûts et là où t'en es aussi dans ta peinture, parce que ce sera probablement différent de la mienne et c'est normal. Mais du coup, voilà, je la fonds comme ça un petit peu. Sache que c'est ce que tu peux faire si tu trouves que les délimitations sont trop dures et que ça, du coup, ça fait pas très réaliste. Tu peux venir rajouter par-dessus comme un glacis, de la même manière qu'un glacis, des parties plus sombres ou plus claires. Ça marche dans les deux sens. Donc là c'est pareil, vu que toute la partie haute est encore beaucoup trop délimitée parce qu'on n'en était qu'au croquis, je viens un petit peu fondre mes couleurs ensemble, donc reprendre en fait la base que j'ai faite et sur les parties claires, les associer à leur partie sombre et fondre tout ça ensemble pour que ce soit plus harmonieux. On passe à une nouvelle couche, donc je prends ma couleur plus claire qu'on a faite ensemble et je viens au centre des parties fondues. Je sais pas si c'est très clair tout ça. Pour un petit peu les délimiter et créer cette superposition comme on a fait en bas du tableau tout à l'heure, avec une partie bien plus saturée, plus claire, plus délimitée à l'intérieur d'une partie plus fondue, moins saturée avec plus d'eau qu'on a fondue juste avant.
Voilà, là je t'ai rapproché un petit peu la vue pour que tu puisses voir plus en détail ce que je suis en train de faire avec donc un pinceau qui est beaucoup plus fin que ceux de tout à l'heure où je rajoute des petites lignes, des petits traits, des petites ondulations à l'intérieur de mes parties plus claires mais moins opaques. Celle-là sera plus opaque avec plus de peinture sur mon pinceau. Ça donne cet effet. Pas vraiment de scintillement, mais quand même un peu. C'est-à-dire que ça va donner un effet de la lumière est en train de ressortir. Tu vois, la couche qu'on a faite tout à l'heure et la couche par-dessus, ce n'est pas qu'une question que dans la couche dessus, il y a plus de blanc. Parce que j'ai utilisé la même couleur pour faire la couche du dessous, finalement, quand j'ai tout refondu le tableau. Donc là, c'est juste que dans cette nouvelle couche, il y a plus de peinture, moins d'eau. Voilà, là, on le voit très bien. Et vu que parfois je veux quand même que ce soit pas à la fin de mon trait quand j'ai fini de faire mon coup de pinceau, parfois c'est bien de le laisser comme ça, parfois j'ai envie de le fondre quand même. Donc avec le doigt ou avec le pinceau, tu peux venir vraiment tirer ton trait pour que ça vienne se terminer. Et voilà, comme là on peut le voir, ça s'est fondu, on va dire, dans la couleur du dessous. On commence avec les petits points, donc là, pinceau biseauté, pinceau fin ou ce que tu as envie. Tu peux faire cet effet avec plein de pinceaux différents. Je t'invite d'ailleurs à tester plein de pinceaux différents. Parce que chaque pinceau donne des effets super intéressants. Et je viens vraiment pas concentré du tout venir taper la toile, on va dire, gentiment, en tout cas, avec ma couleur la plus claire de manière aléatoire, enfin vraiment c'est, on réfléchit pas trop sur cette partie-là, et ça va descendre quand même assez bas dans le tableau, donc bon courage. En tout cas sur la mienne, en 100 par 70 ça a mis un peu de temps, et au bout d'un moment ça fait un peu mal à la main quand même, mais bon ça passe. Après voilà, avec le pinceau biseauté moi ce que j'aime bien, ou même le pinceau fin, ça peut donner des effets vraiment aléatoires dans les points, c'est ce que j'aime bien. Parce que si tous les points sont parfaits et bien ronds et tous identiques, bah en fait ça fait pas le bon effet quoi. Ça fait pas naturel. Voilà. Donc là c'est un côté très aléatoire, très spontané et voilà, c'est ce que j'aime bien dans le côté on va dire un peu imprévisible. Je commence par le centre juste pour me guider en fait dans cette partie scintillement. Mais après je viendrai l'étaler un petit peu plus sur les bords, voilà. Plus on descend sur les vaguelettes, moins il y a de petits points et ils seront à des endroits bien précis dans la toile pour montrer qu'en fait il y a un premier plan, il y a le milieu et il y a le fond en fait. Sur cette partie du bas, en fait, vu que c'est vraiment le premier plan et une vision à plat, en fait, de cette partie d'eau, on a aussi beaucoup de petits points. Donc, en fait, le bas et le fond du tableau ont plein de petits points. Et le milieu, les scintillements vont se fondre dans les vagues.
Donc toute cette partie haute, vu qu'elle n'était pas encore très très claire, je viens rajouter mes petites vaguelettes avec à la même couleur en fait des scintillements, juste pour que ce soit plus harmonieux dans tout le reste du tableau, et je viens rajouter des petits points au milieu. Là, on est retourné sur le bas du tableau pour te montrer un petit peu de près à quoi ça ressemble. Donc comme tu peux le voir, c'est pas très concentré sur les détails en fait. On fait des petites vaguelettes, etc. Mais en fait, de près, c'est très abstrait quand même. Donc si tu sens que tu tournes en rond, que tu n'arrives pas à faire ce que tu as envie de faire, vraiment prends du recul et je t'invite à prendre en photo ton tableau. Parce que en photo, tu verras que il est probablement beaucoup mieux que ce que tu crois quand tu le regardes de très près et que tu t'es pas rincé les yeux et que ça fait des heures que tu travailles dessus, que tu n'en peux plus. Déjà, prends une pause, arrête de le regarder pendant au moins 12 heures. Reviens dessus et regarde-le de loin, surtout. Moi, je regarde très régulièrement mon tableau de loin et regarde-le avec des yeux frais et en photo. Juste pour ajouter un petit peu de mouvement et de côté abstrait au bas du tableau, je viens rajouter des petites éclaboussures. Donc je mets de la peinture sur un spalter un petit peu, enfin un spalter, voilà, il est pas très gros, mais voilà, je viens effleurer très légèrement, j'en fais pas beaucoup comme tu vois, j'ai déjà fini, que sur le bas du tableau, voilà. Et je viens rajouter des petits points bien mixés ensemble pour que ça fasse des points très éclairés à la lumière. Et des points, enfin, et des parties, on va dire, moins éclairées à la lumière.
Donc tu vois, comme là je te montre, je suis de loin, j'ai l'impression que c'est hyper abstrait, que ça ressemble à rien, que le mouvement il me va pas. Et ben en fait, je mets 3 petits points et je me recule. Et vraiment, je fais ça tout le long du tableau. Donc n'hésite pas, n'hésite pas. Surtout dans ces parties-là, ça commence à faire quand même un paquet d'heures qu'on travaille dessus. En tout cas, voilà, ça peut prendre du temps. Donc n'hésite pas. Voilà, là je recule encore. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça va pas le mouvement? Je regarde l'intégralité du tableau. Est-ce qu'il faut que je rajoute des petits points ou pas? Et puis je reviens dessus. Sache aussi qu'avec les tutos, on peut avoir l'impression de tourner en rond parce que ben, le tuto il dure 1 heure. Mais franchement, j'y ai pas passé 1 heure. Hein. Déjà, en termes de vidéos, alors que j'avais pris la moitié des vidéos de base en accéléré, donc en très accéléré, j'avais 4 heures d'édition vidéo. Et je pense que j'ai passé au moins 15 heures sur ce tableau. Donc, pas de stress, t'as le temps. Voilà, c'était juste un petit aparté. Et tu peux mettre dans les commentaires d'ailleurs si t'as des difficultés, parce que honnêtement, ce tableau, je pense qu'il est pas facile à faire. En tout cas, tu peux être carrément fier de toi d'avoir suivi jusqu'au bout ce tuto. Comme j'ai déjà dit, c'était pas un niveau facile, mais voilà, le résultat terminé. Bravo, bravo à toi. Franchement, il y a Soueli qui te regarde de la baie vitrée, de la terrasse, qui te dit bravo. T'as trop géré. Voilà, j'espère que ce tuto, il t'a plu. N'hésite pas à mettre ton avis, tes suggestions, si tu en as pour des futurs tutos, dans les commentaires. N'hésite pas à me dire comment tu as vécu l'expérience. Et puis voilà, on se retrouve sur un prochain tutoriel. N'hésite pas à t'abonner à ma page pour être bien sûr de ne pas louper des prochaines vidéos qui vont sortir. Et aussi, tu peux me rejoindre sur Instagram où je poste du contenu très régulièrement. Aussi, j'ai un site internet où tu verras tous mes tableaux, un petit peu plus mon parcours. Et je vais proposer très prochainement des tutos encore plus complets, encore plus longs, de tableaux encore plus grands à la vente pour des petits prix. Donc n'hésite pas à me suivre pour être bien sûr de ne pas louper les infos. On se dit à très vite sur une prochaine vidéo.